Coucou à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc dans une vidéo tuto où on va réaliser une personnalisation sur un tote bag. Donc on va tout simplement utiliser les transfert tape, enfin transfert paper, pardon, de chez Action. Voilà, donc on a quatre feuille A4 pour les couleurs claires et une feuille A4 pour tout ce qui va être foncé. Voilà. Si vous utilisez des t-shirts clairs ou des choses claires comme ceci, vous aurez quatre feuilles A4. Si vous voulez personnaliser, par exemple, comme là sur le papillon, sur quelque chose de foncé, vous aurez qu'une seule feuille. Voilà. Donc là, vous avez tous les guides qui sont inscrits. Donc il faudra tout simplement, à l'intérieur, vous avez une feuille un petit peu comme du papier sulfurisé. C'est-à-dire, ça fonctionnera pareil. Là, vous avez donc la feuille rouge qui est donc pour les transferts pour tout ce qui est foncé. Et ici, vous avez des feuilles bleues, quadrillées bleues, pour tout ce qui va être de couleur claire. Donc moi, je vais en sortir une de claire, parce que mon tote bag est clair. Il vous faudra donc une imprimante. Donc moi, c'est une imprimante à jet d'encre. Voilà. Hop. Et je vais tout simplement insérer ma feuille, donc du côté lisse, hein, pas du côté quadrillé. Et je vais tout simplement venir imprimer une image. Mais attention, l'image que je vais imprimer, il faut qu'elle soit en effet miroir. Donc je vais vous expliquer tout ça sur ça, parce que moi, je fais ça sur Word. Voilà, donc on va avoir besoin de ceci, après un fer à repasser. Bien entendu, ça sera un fer à repasser sans vapeur, puisque j'ai vidé l'eau. Et ensuite, on va venir utiliser une petite décoration qu'on va faire avec la Cricut Joy, avec du flex thermocollant. Et j'ai pris tout simplement le kit de démarrage, tout simplement parce qu'on va avoir besoin de l'échenillage et de la petite raclette. Voilà, donc déjà, hop. Je vais mettre ceci dans mon imprimante et on se retrouve à mon ordinateur pour que je puisse vous présenter comment on va imprimer l'image de façon à ce que ça soit en mode miroir. Voilà, donc là je suis sur Word. Donc soit vous allez dans Fichier et vous allez dans Ouvrir et rechercher sur votre ordinateur, ou bien vous faites Copier-Coller. Voilà, et moi j'ai mon image. Donc moi je veux celle-ci. Donc soit vous pouvez l'agrandir. Déjà là, ce que je vais faire, c'est que je vais hop la centrer. Et vous pouvez donc hop vous amuser à l'agrandir, la mettre plus petite. Enfin voilà, vraiment comme vous souhaitez. Moi là, je pense que ça c'est parfait. Et ensuite, pour la mettre en mode miroir, hop, je tourne comme ceci. Voilà. Et là, mes papillons se retrouvent de l'autre côté. En fait, je vais tout simplement ici. Voilà, c'est par exemple, je le reclique, hop, je le remets à l'endroit. Mais là, moi, je veux que mes papillons soient dans l'autre sens. Donc, pour moi, là, c'est correct. Donc, avant d'insérer la page transfert de chez Action, moi, ce que je fais, c'est que je fais toujours un essai. Donc là, je vais aller directement l'imprimer sur une feuille A4. Et si ça me convient, j'aurai plus qu'à venir insérer la feuille de chez Action et à venir l'imprimer. Voilà, donc là j'ai fait mon essai sur une feuille A4.
Donc là, l'image me convient très très bien. Donc, vu qu'elle me convenait, je suis venue l'imprimer sur le papier bleu quadrillé sur le dessus. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement prendre un ciseau et venir détourner tout simplement notre image. Alors moi, je laisse à peu près voilà, à peu près ça, à peu près 1 cm de chaque bord. Voilà, donc oui, ça fait gaspiller pas mal de papier, mais ça sert à rien de le coller entièrement puisque moi je veux juste cette partie de cette image là. Voilà, et en fait, tout simplement, quand on va poser donc sur notre table à repasser, donc déjà je vais redonner un petit coup parce que il est très chiffonné, il n'y aura plus qu'à venir installer donc le papillon dans le sens que je veux, donc comme ça, vers le bas, enfin vraiment comme je souhaite. Donc, moi là je veux que il soit hop, dans ce sens là. Voilà. Je pourrais le mettre au milieu, hein, mais là j'ai envie de le mettre sur le côté. Donc là je vais le mettre comme ceci sur le côté. Après, rien ne vous empêche de venir, avant de couper et d'imprimer, de rajouter d'autres images pour éventuellement détourner et venir les positionner comme vous souhaitez. Là, moi, je veux vraiment que cette partie-ci. Donc après, je vais venir tout simplement le positionner comme ceci. Venir mettre ça par-dessus et là je vais venir poser donc mon fer à repasser, mais attention, vous ne posez pas hop comme ça, vous venez faire des petits mouvements circulaires et à ce que tous les bords déjà soient bien collés, et on fait ça partout. Ils vous disent que vous devez donc découper l'image en conservant un contour de 5 mm et avec les coins arrondis, donc bon, tous mes coins sont arrondis, donc ça va. Et de régler la température du fer à minimum 160 degrés. Voilà, et donc ils disent de laisser à peu près, donc si c'est pour une petite taille, de laisser entre 60 et 90 secondes. Donc qui fait à peu près 1 à 2 minutes. Voilà. Et si vous voulez vraiment un plus grand motif, ils vous disent de laisser entre 90 et 120 secondes. Donc moi, ça, je vais le faire hors caméra, parce que je pense pas que la façon de passer le fer à repasser vous intéresse. Donc là, moi, j'ai vidé mon eau. Je vais repasser un petit peu avant sur mon tote bag. Bien entendu, avant de venir enlever le surplus, en fait, parce que c'est l'autocollant qu'on va venir ensuite enlever. Ne l'enlevez pas tout de suite, attendez que ça refroidisse un peu parce que ça va être très très chaud, à moins que vous vouliez vous brûler les doigts, hein. Après vous faites comme vous voulez. Donc voilà, moi je vais faire ça hors caméra et on se retrouve après pour le tuto, enfin pour la suite du tuto avec le flex. Voilà, et là par contre je pense que on fera avec le fer à repasser parce qu'il y a une technique à faire. C'est pas encore pareil. Voilà ce que ça donne. Donc je suis venue repasser un peu sur mon tote bag. Voilà. Alors le laissez pas trop longtemps parce que vous voyez, moi j'ai laissé un petit peu trop longtemps, ce qui fait que ça m'a fait des petites taches jaunes. Mais le principal, c'est que votre image soit bien collée dessus. Donc là, voilà, elle est vraiment bien collée sur le tote bag. Voilà. Donc là, c'était de la manière que je l'avais imprimé. Et étant donné qu'on le met en mode miroir, eh bien, il sera tout simplement retranscrit dans l'autre sens.
Voilà, donc là c'est des papillons, donc que je les mettais dans ce sens-là ou dans l'autre, ça revenait au même. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est je vais tout simplement insérer donc un prénom, donc le prénom Enola. Donc Enola, si tu passes par là, ce tote bag sera pour toi. Et donc, je vais tout simplement utiliser donc du flex, donc le Smart Iron On de Cricut Joy thermocollant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement venir déjà prendre hop, ceci et ceci. C'est les deux matériaux principaux qu'on va se servir. Voilà. Et on va également utiliser ceci. Donc c'est du flex de couleur mat. Donc vous avez une face brillante et une face lisse. Et ça va être tout simplement la face lisse qu'on va insérer à l'intérieur. Donc moi il me reste ce petit bout là parce que oui j'ai déjà fait pas mal de petites créations avec. Donc voilà, je l'ai sorti du sachet. Voilà, et là on va tout simplement passer donc sur la Cricut Joy, donc sur le design space, pour pouvoir noter donc le prénom et pouvoir le couper avec le flex. Voilà, donc la Cricut Joy est allumée. Ici je suis venue donc tout simplement dans le design space, je suis venue dans Canva. Comme d'habitude, je suis venue aller dans texte, je suis venue écrire donc le prénom. Je suis venue donc faire dégrouper, j'ai regroupé donc toutes mes lettres. Ensuite, je suis venue sur cliquer sur attacher et souder. Voilà, ce qui me donne que hop, tout le prénom est attaché. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais aller dans modifier. Et je vais aller ici au niveau de la largeur et de la hauteur. Donc niveau largeur, ça me convient pas trop. Donc je vais diminuer un petit peu de manière à ce que j'ai à peu près. Ah voilà, à peu près 17 en largeur et à peu près 6 en hauteur. Une fois que ça me convient, eh bien, je peux venir le positionner donc, en hauteur. Donc moi, je le positionne comme ceci. Et là, je vais tout simplement hop, le sélectionner et retourner dans Modifier. Et cette fois, je vais aller dans Vertical parce que le prénom, il faut qu'il soit aussi en mode miroir. Donc je fais Vertical et là, il se retrouve donc à l'envers. Mais je pourrais très bien le faire à l'horizontale, hop, comme ceci. Ou à la verticale. Donc moi voilà, je le veux comme ceci. Puisque il va falloir que je le remette tout simplement à l'endroit. Donc là on le met en mode miroir. Donc là je vais en mode vertical. Une fois que je suis bien, je vais tout simplement dans créer. Et là je vais faire sans tapis. Parce que là je vais utiliser tout simplement du flex de Cricut Joy. Si j'aurais utilisé un autre flex d'une autre marque, là, il aurait fallu que je le mette sur le tapis parce que il ne sait pas lire d'autres flex que celui de la Cricut Joy. Donc là, je fais sans tapis. Voilà, donc là, il me dit qu'il me faut un morceau de 13 par 19. Donc, je pense que c'est parfait. Je vais aller calculer tout simplement si mon flex fait bien 19 cm. Et il va tout simplement venir me l'écrire comme ceci, comme indiqué sur l'écran. Donc je vais aller calculer ça et on se retrouve juste après. Voilà, donc je suis venue diminuer un petit peu mon écriture parce que mon flex est un petit peu trop petit. Donc veillez bien à ce que votre longueur soit bien. Donc là, il me faut un morceau de 13 par 15. Donc là, je pense que le peu de ce qui me reste, ça ira. Donc là, je vais tout simplement aller dans continuer. Je vais cliquer sur ma Joy. Donc moi, c'est celle-ci. L'autre, je ne sais pas comment on fait pour la supprimer.
Voilà, donc là il me dit que c'est bon, que c'est réussi. Et là il me dit de choisir donc mon matériel. Donc moi c'est le Smart Iron Thermocollant, donc le même nom que celui qui est ici. Voilà, donc là je clique ici. Il me dit d'insérer donc la lame. Donc la lame est ici. Et d'insérer en fait le matériau. Donc j'insère. Côté lisse, côté brillant sur le dessous. Et là, c'est parti, il fait son job. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous allez voir, mais je sais pas. Voilà, on voit l'effet où il a écrit. Donc là, je vais venir couper tout simplement la bande qui ne m'intéresse pas. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je prends ceci. Donc là, je regarde à peu près. Voilà, à peu près. Ici. Voilà. Donc vous pouvez prendre un ciseau. Hop. Donc là, cette partie qui est là, qui me reste, et eh ben, je vais la garder parce que ça, tout simplement, ça me servira pour autre chose. Voilà, et vu que c'est tout petit, eh bien, je viendrai tout simplement utiliser le tapis. Voilà. Et là, bah, maintenant, on va écheniller. Donc, une fois qu'on a. Donc, on va mettre le tote bag, hop, par ici. On va prendre donc notre échenillage. Donc, j'enlève le petit bouchon. Et là, je vais tout simplement, hop, enlever la partie qui ne m'intéresse pas. Voilà. Donc là, on y va tout doucement pour pas tout enlever. Alors moi, je commence comme ceci. Voilà. Et j'y vais délicatement. Jusqu'à là. Ça va. Si ça n'enlève pas tout, c'est pas gênant. On continue avec le petit échenillage. Voilà. Et on y va pareil, tout doucement. Le principe, c'est que ça n'enlève pas toute l'écriture que vous avez fait. Voilà. Donc cette partie, en... oui, ça fait vraiment du gâchis, hein, ça, je vous le fais pas dire, hein. Mais malheureusement, on n'a pas le choix. Et là, je vais écheniller le reste. Donc c'est pareil. Hop. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, on enlève les petits bouts qui nous gênent. Et on fait la même chose. Voilà pour les autres parties qui ne nous intéressent pas. Tac. Et ici. Voilà. Donc là, on a la partie qui nous intéresse le plus. Donc ceci, on va pouvoir le jeter. Voilà. Ce qu'on va venir faire maintenant, c'est prendre ceci. Voilà, et tout simplement venir coller donc, le prénom ici. Mais on ne va pas le coller parce que ça, voilà, vous pouvez le mettre, hein, ça ne collera pas. Puisqu'on va utiliser aussi le fer à repasser. Donc là, il va vous falloir. Donc, hop, ça on peut le ranger. Il va vous falloir ceci. Il va vous falloir une petite raclette comme ceci. Et bien évidemment, du papier sulfurisé. Donc c'est parti, moi je vais installer tout ça sur ma table à repasser et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc là je suis sur ma table à repasser, j'ai mon fer qui est ici. Voilà, donc là ben, il n'y a plus d'eau du tout parce qu'il faut que ça soit sans vapeur. Je n'ai pas mis
de vapeur, donc je l'ai mis à 0, parce qu'on a le 0, 1, 2, 3 et le extra. Enfin, moi, sur le mien, c'est comme ça. Donc, c'est sur la marque Calor. J'ai ma petite raclette, j'ai mon petit prénom ici. Donc là, je vais tout simplement venir avec mon papier sulfurisé. Je vais tout simplement venir prendre mon fer et venir passer un petit coup dessus. Voilà, comme ceci. Légèrement. Voilà, pour que ça soit bien, bien plat. Je vais tout simplement mettre le prénom là où je souhaite. Donc moi là, je veux qu'il soit comme ceci. Et je vais prendre donc le papier sulfurisé que je vais mettre par-dessus. Voilà. Et là, hop, je prends et je viens passer dessus. Voilà. Et je fais ça jusqu'à ce que ça me semble correct. Voilà. Donc, je passe légèrement dessus. Voilà. Donc là, pas trop sur le dessin. Et je vais faire ça jusqu'à ce que ça me semble correct. Et tout simplement, à la fin, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu et venir, hop, racler un petit peu comme ceci pour que ça tienne bien sur le tote bag. Là, je suis désolée, je filme que d'une main, donc c'est pas évident. Voilà, donc là, le prénom est bien inséré, bien mis. Donc, il vous restera après plus que le collant comme ceci. Voilà, on voit encore les démarcations du prénom. Donc là, je suis venue utiliser la petite raclette. J'attends un petit peu parce que là, c'est vraiment très très chaud. Et le papier sulfurisé, après, vous pouvez le garder à l'infini pour faire d'autres petites créations. Voilà, donc là, je vais attendre un petit peu parce que c'est encore un peu chaud. Voilà. Et après, ben, rien ne vous empêche de venir repasser un petit coup. Donc moi, je remets en général, j'attends que ça refroidisse un petit peu. Je remets mon papier sulfurisé et je viens tout simplement repasser un petit peu dessus. Voilà, pour que ça soit bien adhéré à mon tote bag. Voilà, donc là, voilà, je vais attendre un petit peu. Et comme ça, je suis sûre que il est bien installé sur le tote bag. Voilà, vraiment quelque chose de très simple à faire. Enfin, pour moi, c'est simple. Après, pour d'autres personnes, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Mais en tout cas, moi, j'adore. Donc là, bah, évidemment, faites attention parce que vous voyez, là, moi, je l'ai laissé un petit peu trop longtemps. Ce qui fait que ça fait des petites taches jaunes, mais vraiment très, très léger. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, ce petit tote bag plaira donc à Enola. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.